Vous savez ce que c'est? Bah non, comment tu... Une poêle. Enfin, une casserole. Je vais dire une casserole. Non, c'est une poêle. Allez, on y va. Oh là là, moi j'ai un gros câlin, je donne toute mon énergie à Amandine qui me donne toute son énergie. Oh. Salut. Alors ben voilà. Ben voilà. Ben salut à tous, coucou, ben ouais. Salut à tous. Et pris en flag. Ben moi je suis super contente aujourd'hui parce ben pourquoi que... Parce que c'est mon anniversaire. Mais vous les plus sincères. Ouais. Je te dis merci. Bah, c'était quoi l'année dernière déjà? L'année dernière, le cadeau, il était jusqu'au plafond. Il était jusqu'au plafond, là, cette année. Énorme. Là, cette année, c'est moins. Ben non, cette année. Bah, je si. Je vois rien. Mais si, regarde, il y a ta mère. Moi, mon plus beau cadeau, c'est que Fantin et Amandine, et que papa et que Mimi soient là. Déjà, on a eu peur un peu plus, on n'était pas cités. En fait, en fait, on est toujours avec toi. Bah oui, mais là, c'est quand même mon plus beau cadeau, c'est que vous soyez dans ma vie. Ouais, pour Fantin, il a des doutes. Il a des doutes. Fantin, il a des tout petits doutes, vraiment. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'on est passage parfois. Ah, parce que vous êtes passage parfois, mais je vous aime quand même. Hein. C'est pas parce que vous êtes passage que mon amour est, comment on dit, indéfectible. Voilà, indéfectible. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, il suffit donc... de se munir d'un dictionnaire et d'aller à Igor. Indéfectible. T'avais du shampoing, Amandine. Tu veux du shampoing? T'es sûr que tu veux du shampoing? Mais c'est pas mon shampoing. Tu veux un petit bisou pour avoir du shampoing, là? Tu veux un petit bisou pour avoir du shampoing? Tu veux du shampoing? Tu veux du shampoing? Non, il y a du thé, il y a du thé aussi pour les. Moi aussi, je préfère le thé. Il y a du thé. Tiens, d'ailleurs, moi je vous dis bonjour, regardez, je suis avec ma caméra, je suis en train de vous filmer. Ça y est, les bougies sont allumées. Alors, Fantin, essaye, comme d'habitude. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Le bouchon de shampoing. J'ai assassiné personne. Le bouchon de shampoing a sauté. Tu conduis après ou quoi? Tu conduis après? Alors voilà, ben oui, on ne peut pas faire l'anniversaire sans amener le gâteau qui est là, hein, et sans chanter joyeux anniversaire. On va vérifier voir si Mimi chante pour de vrai ou pour de faux. Elle chante pour de vrai. Alors Fantin, est-ce qu'il chante pour de vrai? Amandine maintenant. Vas-y. Joyeux anniversaire, mon ami. Joyeux anniversaire. C'est pas Mimi. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. 1, 2, 3. Alors, on se prend de la fumée plein les yeux. Hein. Alors. Je tiens à le signaler, pendant ce temps-là, je me ramasse toute la fumée dans le nez. Non, non, Amandine. Oh là là, Amandine, elle a capturé la moitié de la meilleure partie du gâteau. Je remercie quand même tout le monde de ne pas avoir précisé l'âge que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est très gentil. Vous pouvez essayer de deviner en commentaire. Attends, regarde, voilà. Tu veux cette par là? Non, moi je vais te servir en premier. Tu veux cette par là? Ouais. C'est gros quand même, hein? Ouais. Bon, on va faire des par. L'anniversariste en premier. Oh, non, d'abord les personnes âgées en premier après l'anniversariste. Non, les personnes âgées. Non, c'est toi first. On finit par les plus jeunes. Hein. Allez, Amandine, donne ton assiette. Tu vas nous dire s'il est bon, Amandine. Maman, hein. Goûte pas. Bah, si, elle peut goûter. Alors, il est comment, Amandine? Il est très bon. Enfin, elle a une grosse part là. Ah, ben non, ça c'est pour moi. Alors? Oh non, très bon, tout là. C'est pour moi tout le reste.
Ben pourquoi pas. Ah, c'est vrai qu'il en reste un certain nombre. Allez. Bon alors attention, point de vue subjectif sur la cuillère qui vient couper la carte de la part du gâteau. Faut dire que Mimi elle aime pas du tout le chocolat. Oui, tu as fini, le premier il a gagné. Qui veut de cette part de gâteau? Mimi elle aime pas tu veux cette part de gâteau. Amandine. Oui, il a gagné. Est-ce que mince. Accident de gâteau. Celui qui arrive en premier, il a gagné. Oh, j'ai mis sur le gilet. Je vous montre. Oh, la grosse bêtise. C'est moi qui l'ai fait, la grosse bêtise. Aïe, aïe, aïe. Vous savez quoi? Je vais poser la caméra le temps de manger le gâteau. Et restez avec nous surtout parce que vous allez découvrir avec nous les cadeaux de Mélanie. Qu'est-ce qu'elle a eu cette année? Je ne sais pas. Ça serait si on avait ouvert le champagne. On va couper ensemble le gâteau. Attention. L'autre champomie. Ah, elle veut pas ce vieux champomie. Elle veut pas le vieux champomie de Mimi. Elle veut le. Mais oui, mais bon, pour elle, c'est du vieux champomie. Mais faut dire que quand, on voit Mimi, on comprend. Oh là là, il est lourd. Si vous trouvez que qu'Alexandre est lourd, mais non, il est jusqu'au 54 kilos. Elle est contente de son champomie. Hein. Bon, il est temps de passer au cadeau, non? Qu'est-ce qu'il y a dans cadeau préféré? Alors, cadeau pour maman, il y a écrit. Là, cadeau pour maman. C'est toi qui m'écris ça. Ouais. Oh, maman, je t'aime, joyeux anniversaire. Bisous, maman. Oh, bah, je te... Quoi? Quoi? Ah, bah, fais voir, Fantin. Quoi? Non, Fantin, je... Des lèvres dessinées. Il y a des traces de lèvres. Oh, voilà. Là. Wow. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, je fais le tour de la table. En fait, je sais pas trop bien qui c'est. Je suis dessinée comme ça. Ah, mais si, tu n'as même Fantin, mais tu dis, mais si, c'est maman. C'est ça. Oh, une fille, c'est moi. Tu dis, ben oui, maman, tu es la plus merveilleuse des fées. On va la refaire. Voilà. Alors, Fantin, c'est moi. Et là, tu dis, ben non, c'est la fée, c'est. C'est la fée, c'est. C'est la fée, c'est. Alors, là, c'est maman. Non, c'est un ballon. C'est un ballon. Mais bien, c'est pas fini. Oui. Hein, bon, bon, qu'est-ce que t'as oublié sur la table, alors? Des assiettes. Ah, d'accord. Très beau, ma puce. Très beau. Eh ben. Oh, oui. Des cœurs. Oh là là. J'ai des cœurs partout. Ça, c'est alors, ça, c'est... Alors, Mimi, elle s'est pas foulée pour les dessins. Non. Hein? Et ben voilà, donc, vous avez vu, donc, les cadeaux de Mélanie. Un dernier cadeau, là-bas. Hein? Oh, oui. Ah oui, il y a un dernier cadeau, là-bas. Il peut y avoir à l'intérieur de... Ouais, attends, il n'y avait pas une... Oh, une boîte à chaussures. Oh, oh. Non, ah ben t'as révélé. Ah, je m'apprêtais à faire roulement de tambour et tout, mais non, c'est... Des gants en angora. En quoi? Des gants en angora. C'est féminin. C'est féminin. Voilà, oh, ben, c'est très gentil, maman. Après la fessée, il y a féminin. Adorable. Oh. Oh, mais il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que les gants. Il y avait les chaussons. Oh, des chaussons magnifiques, regardez. Voilà. Maintenant, ils sont très sympas. Sexy lady, sexy lady. Hey, alors déjà que tu ressembles à ta mère, mais avec les chaussons. Ah, c'est le pied. Oui, oui. Alors, Mimi vient de dire que c'est une blague. C'est une blague. Ah, maman, c'était une blague, les deux trucs. C'était une blague, les deux trucs. Mais c'est quand même bien, quand même, les gangoras. Ah, bah oui, hein? Moi j'aime bien les pranks comme ça. Et les chaussures. Mais qu'est-ce que c'est? Mais attendez, mais c'est un monde de fou. Même ma mère me prank. Ah oui, ta mère te prank. Elle me prank. Bon anniversaire. Ah, voilà. Et qui bon anniversaire et, qui? Et alors, c'est ça le prank, c'est derrière, il y a marqué Yvon. Yvon, bon anniversaire Yvon. Mais qu'est-ce que c'est que bon anniversaire Yvon? D'abord, Yvon où? Joyeux anniversaire.
anniversaire, ma chérie. J'espère que ce cadeau te fera plaisir. Ah, tu dis pas l'adresse. Hein. Et qu'il t'aidera à te détendre. Je t'aime, maman. Mais moi aussi, je t'aime, maman. Oh là, attends, je suis en train d'être étouffée. Regarde, un Nespresso. Non, ça c'est super. C'est quoi une invitation chez Nespresso? Toi aussi, mais ça c'est pas juste. Ouais, pour toi aussi. Attends, mais ça c'est pas juste du tout. Pourquoi? Parce que tu es dans le cadeau, mon amour. Ah bon? Ouais. Je suis dans le cadeau. Attends, je ne me vois pas. Un massage de 50 minutes pour chacun d'entre vous. Ah, mais chez Nespresso? Mais non, mais dans un spa. Ah, mais j'ai pas mis une lettre, je voyais un N comme Nespresso, oh, mais pas du tout. Un massage pour moi aussi. C'est vraiment absolument adorable. Tu veux dire que tu n'es pas émue? Je suis complètement folle. Pourquoi? C'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Parce que, alors, elle nous accueille. Chez elle? Oh non. Voilà, c'est pas un cadeau. Elle nous a réservé un déjeuner ou un dîner pour deux personnes dans un restaurant que je connais bien et qui est fort bon. Fort bon, et c'est un endroit où aussi on peut se faire masser. Donc elle nous a réservé, pas que pour moi, mais pour nous deux également, un massage. Ah bon? Et de 50 minutes. Et la blague, les gants. Ah oui, c'était le brin de mamie. Elle allait jeter la boîte, heureusement que j'étais là. Bah oui. Maintenant, il est temps à moi de faire le cadeau de Mélanie. Qu'est-ce que ça va être? Vous avez une idée? Je vous laisse quelques secondes pour deviner. Tu sais ce que c'est? Ah bah non, forcément. Fantin, tu sais ce que c'est? Non. Non, tu sais pas ce que c'est? Ah là là. Non. Avez-vous trouvé donc de quoi c'est? Bah non, mais quand veux-tu qu'il trouve? Bon, attention, je vais le chercher. Vous savez ce que c'est? Bah non, comment tu... Une poêle. Enfin, une casserole. Je vais dire une casserole. Non, c'est une poêle. Et oui, il est temps ici dans cette maison d'avoir un peu de bonne cuisine faite dans des bonnes poêles. Hein, n'est-ce pas? Ça semble être un message. Oui. Bah quoi? Bah il faut, hein. Fantin, t'en as pas assez de manger des plats tout grillés, tout. Hein? Non, mais c'est un peu. Une bonne poêle qui accroche pas. Non, c'est sûr que. Non, c'est pas possible. Bah écoute-vous. Une poêle. Eh oui. Ah cool, un nouveau téléphone. Note 8, bah attends, on voit pas, nos amis, voient pas. Je vous montre quand même. Est-ce qu'on voit? Mais c'est vrai que j'avais besoin d'un nouveau téléphone, donc c'est cool. Attends, la plaque de la poêle, franchement. Bah. On mettra avant. J'en étais sûre, je t'ai dit. Non, mais c'est pas sérieux. Mais je te rassure quand même, parce que la chaussette est propre. C'est une chaussette propre, Isabelle. Les meilleures blagues sont les plus courtes. Hein, ouais, mais attends, je pensais pas. Je ne pensais pas du tout que Isabelle allait te faire une blague. Et là, quand j'ai vu que tu avais fait une blague, ça m'a un peu coupé, tu vois. Je me suis dit, tiens, ce qu'on t'a pas dit, Isabelle et moi, c'est qu'on c'est notre cadeau commun, ce que tu as eu avant. En fait, c'est ça. Ah, bon, quand même. Non, bah, voilà, c'est... Non, voilà, c'est ça. Non, mais c'est sympa. C'est sympa. Non. Ah bon, le prank, ça t'aurait pu t'en passer quand même, mais bon, voilà. Tout ça, il n'y a rien dans le... Non. Attends, fais voir. Bah oui, parce que... Des fois, il y a... rien. Ah bon, il n'y a rien? Oh, bah alors là, tu vois, si. Les gens savent plus, tu vois. Il y a peut-être un message codé. Eh oui. Ok. C'est lui qui est plus technologique, donc... Ah, waouh! Ah, c'est génial! Destination surprise. Alors, je sais pas, mais on va où? Ah, bah, ça, je le dirai pas. Allez, la surprise dans cette année-là, c'est excellent. C'est qu'en fait, c'est un billet pour une personne pour deux semaines. Voilà, c'est ça le cadeau de toute la famille. On part tous les deux. C'est ça la surprise. Ta mère est au courant. Hein, donc Mimi, elle savait, elle était dans la combine. Absolument. Voilà. Ah, je sais pas encore, je sais pas où est-ce qu'on va. On va où? Dis-moi. Ah ben non, je ne dirai pas, ce sera l'objet d'une autre. On vous révélera dans une autre vidéo notre destination surprise. Alors, Fantin, tu vas me dire, toi, je vais te donner des carambars en échange si tu sais la destination secrète où maman elle va aller pour son anniversaire. Tu vas pas me donner des carambars, je te parie. Bah, si, je peux te les donner, oui, si possible. Alors, tu me les donnes maintenant? Ben, je les ai pas là, mais je peux te les donner. Tu me fais confiance, je suis ta mère. Dis-moi. Non, j'ai pas envie.
dis-moi où on part. Là, c'est une destination surprise. Ah bon, d'accord. Bon, bah d'accord alors. Ah oui, faut rien révéler. En tout cas, bah, j'espère que bah, ces différentes surprises vous ont plu, que cet anniversaire vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, un petit pouce bleu. Et si vous savez où je pars, vous me le dites en commentaire également. Non, vous ne dites rien du tout. Si, si, vous me le dites. Ah. Hein, vous connaissez Alexandre, vous avez sans doute conversé avec lui sur Facebook. Il a dû vous dire quelque chose. Il doit y avoir des indices. Bah, alors surtout, bah, dites-nous ce que vous avez pensé des cadeaux de Mimi. Les cadeaux des enfants, ouais. Et ben le mien vous pourrez pas savoir. Hein. Et vous nous dites aussi si vous trouvez que son prank était réussi. Moi je trouve que franchement. C'est une bonne blague. C'est rigolo, c'est vrai. C'était rigolo. Mais sur le coup quand j'ai vu la poêle, je me suis dit là il se fiche un petit peu du monde. Hein, voilà bon. Bon, en tout cas on vous fait plein de bisous. Bisous. Et surtout, bisous. Famille.